Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Kippour. Parce qu'aujourd'hui chez les juifs, c'est le Kippour. À Kippour, on ne mange pas. À Kippour, on ne boit pas. On met pas des chaussures en cuir non plus. La fête de Kippour commence le soir et se termine le lendemain, le soir encore. C'est-à-dire qu'on jeûne pendant 26 heures. T'as pas un petit truc à manger pour moi là, s'il te plaît là? J'ai un petit creux là. Kippour, c'est un jour de kapara, un jour où on répare, où on arrange les choses. C'est-à-dire que lorsque l'on a fait une faute, on doit faire notre repentance. Ensuite, il faut qu'il y ait ensuite la kapara, parce que quand quelqu'un il a venu être malade, il faut ensuite prendre le médicament. Eh bien, Kippour est un médicament qui va réparer, arranger la faute de manière à ce qu'elle soit effacée. Sur ma vie, on efface tout. On repart à zéro ? On reste à zéro ! Comment ça marche ? Tous les soirs, quand vous allez dormir, votre âme s'envole, va dans le ciel et note toutes les conneries que tu as fait durant toute la journée. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as parlé, tout ! À Kippour, si vraiment tu as fait teshuva et que c'est des fautes que Kippour arrange, alors on efface tout. Malheureusement, pour ceux qui décapitent les têtes, ça suffira pas. Eh oui, quand on fait une faute, Kippour peut arranger, mais des fois, Kippour n'arrange pas. Par exemple, si on fait une faute envers son prochain, eh bien, il faut attendre que son prochain accepte notre pardon pour que ce soit réparé. Et ça peut coûter cher. Il y a un truc que j'ai appris à Kippour. Vers la fin de Kippour, un petit peu avant la Neila, eh bien, il faut s'engager à bien faire une mitzvah que l'on n'a pas l'habitude de faire comme il faut et la faire bien toute l'année. Alors, je vous donne un exemple que vous pourriez peut-être prendre. C'est mettre des chaussures. Ouais, c'est une mitzvah de mettre des chaussures. Pour mettre des chaussures, il faut d'abord mettre le pied droit, ensuite le pied gauche, faire le lacet gauche, et ensuite faire le lacet droit. À vous de jouer!